la position sphinx. Hop, to reach ici. Tu es en sphinx. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas perdre l'équilibre. Donc, tu es obligé d'être actif. La position du sphinx, tu es sur les coudes, tu ouvres la poitrine. Là, tu enlèves un bras, ce qui va bien sûr provoquer un déséquilibre et engendrer un gainage transversal assez intéressant. Donc, sphinx to overhead reach.